À nouveau, le grand vide pour tout le Poitou-Charentes. Pas une surprise pour les élus locaux qui étaient candidats pour accueillir le tour. Le président de la Charente-Maritime, Dominique Bussereau, et l'adjoint au maire de Chauvigny le savaient déjà, mais ils ont tout de même tenu à être présents. Un lobbying pour être sur la carte l'an prochain. Chauvigny est candidat depuis 10 ans. Ça fait 3 ou 4 ans que nous venons à la présentation du parcours du Tour de France en tant qu'invité. Voilà, pour découvrir un petit peu bien les coulisses du Tour de France. Et nous participons aussi au départ, nous nous rendons sur des villes-étapes pour voir un petit peu la logistique nécessaire, l'organisation d'un départ parce que nous sommes candidats. L'équipe logistique du Tour est passée à Chauvigny il y a 2 ans. La place du champ de foire et sa configuration a alors été validée par les organisateurs. Les dernières villes à avoir reçu le Tour sont Cognac et Angoulême en 2007. La prochaine pourrait être Poitiers. S'il ne l'avoue qu'à demi-mot, Alain Claisse a déjà quelques assurances pour 2020. Je vais vous faire une confidence, je suis très optimiste. Une belle vitrine pour la ville, même si le prix est élevé. Regardez le Tour Poitou-Charentes, lorsqu'il arrive à Poitiers, il y a du monde. Et puis ça contribue à l'attractivité d'une ville. Quand on regarde parfois les budgets de communication des villes, qui sont parfois considérables, et que vous voyez l'impact en termes d'image d'une arrivée du Tour de France, le calcul est vite fait. Une arrivée, de quoi profiter un peu plus des coureurs qu'en 2016, lors du dernier passage du Tour dans le nord de la Vienne. Confirmation des rumeurs en octobre 2019.